Ici, j'écris des prières sur les bouts de papier. C'est ici, dans ma main, des boules d'argile. Ici, j'ai mis dans... Maintenant, j'ai mis les boules l'un par un. En chaque fois, je mets une prière
un papier avec les prières dessus. Alors, à chaque page, je mets une autre prière, une autre boule. Le boule, prière, boule. Je mets les papiers dedans parce que c'est, je sais pas d'où vient cette origine. C'est une idée à moi et une façon de prier pendant que je travaille avec l'argile. Maintenant, je fais des impressions du cheval. J'ai dû avoir. J'étais née 1940 à New York. Alors, après, on a bougé beaucoup parce que c'était l'époque de la guerre mondiale. Oh, et pendant 10 ans, 15 ans, jusqu'à j'avais 10 ans, on avait bougé presque chaque an. On a vécu avec ma grand-mère, mon grand-père qui était musicien, vieux classique. Et j'ai eu des leçons de musique de ma grand-mère pendant 7 ans. Temps de ma vie jusqu'à j'avais 14 ans. Et mon grand-père, il est très fameux, très connu à Kentucky, à l'état de Kentucky. Et quand j'avais 10 ans, on était à New Jersey. Et on a vécu sur une ferme. J'ai appris à monter les chevaux, un peu de jardinage, conduire la voiture, les voitures de ferme. On avait un grand grange. C'était vraiment amusant pour l'enfant de jouer dans le foin. À 15 ans, j'ai parti de la ferme pour étudier au nord, à New England, s'appelle Vermont, dans l'état de Vermont, qui est une école où on peut étudier la danse, la musique classique, et qui s'appelle Putney School. C'est au sud de l'état de Vermont. Mon père était ingénieur. Ma mère jouait le violoncelle dans les symphonies locales. Et elle aimait bien aller en France pour voir Pablo Casals. Elle aimait beaucoup de parler français. Pour ça, j'étais motivée d'apprendre le français. Quand j'étais jeune, mes parents en parlaient pour pas que les enfants sachent qu'est-ce qu'ils disaient en français. Alors, c'était une langue qui m'intéressait beaucoup à apprendre. Cela, c'est s'appelle la bouche qui est sortie de visage. C'était dans l'époque où j'étais mordu par un chauve-souris vampire. Un vampire, chauve-souris.
J'ai fait une série de ma visage dans des boîtes. Et cela, j'aimais bien. Parce que de temps en temps, la bouche qui est détachée de visage, ça semble un peu comme un oiseau qui vole. J'avais quatre frères, j'étais l'aîné. Ils sont partis dans toutes les directions, en Alaska, en San Diego, Californie, en Minnesota, Michigan. Un de mes frères est joueur de tambour pour la jeunesse et maintenant ils vendent des terrains. Et un autre frère a eu trois enfants. Il travaille dans les computers. Il joue très bien la guitare et aussi tous les deux, les tout petits frères qui sont. Chante et compose les chansons, les mélodies. Ici un bronze fait d'une petite sculpture en porcelaine que j'ai eu fait faire à la fonderie. C'est une pose. La modèle m'a expliqué que c'était une pose de lion. Et j'étais contente de le bronze. Beaucoup mieux que l'argile. Alors parfois je prends les petites formes, les figures que je fais, et je fais couler en bronze. À ma deuxième année à l'université, j'ai parti à Paris pour étudier les sculptures. J'ai connu un homme, une amie qui s'appelle Barry. Barry, rester, mais après il m'a suivi à Paris. Ma grand-mère qui finançait mes études n'était pas contente et j'ai rendu l'argent. Lui, il avait un peu d'argent chaque mois, alors on est parti en Espagne, à Barcelone et après à Madrid pour vivre et regarder les musées. J'ai laissé mes études de sculpture. J'ai eu deux enfants. Moi, j'étais enceinte avec mon deuxième quand j'ai parti d'Espagne après avoir voyagé à Maroc, Portugal, Italie, Suisse. Et j'ai parti en Californie avec mon fils Marco et enceinte avec ma fille Alexandra. J'arrivais en Californie chez ma mère. J'ai travaillé comme je pouvais jusqu'à la naissance de ma fille à San Francisco. Enfin, Barry et moi, on se séparait. Il a parti à Paris pour refaire sa vie. Moi, j'ai travaillé comme secrétaire à San Francisco pour soutenir ma famille. Et après la mort de mon père,
J'ai eu un peu d'argent pour recommencer, travailler à étudier la sculpture à Oakland, Californie, à la College de Arts and Crafts et à Oakland. Après un an, j'ai fait un changement parce que je n'aimais pas le programme de sculpture là-bas. Et j'ai changé pour étudier le dessin et la poterie. J'ai parti au Mexique avec mon deuxième mari, Carlos. À Mexique, il s'appelle Carlos, mais aux États-Unis, il était toujours Carl. Et après, on a reparti après un an, revenu dans les environs de San Francisco à Berkeley. Et j'ai repris mes études de sculpture. Mais on a trouvé la vie de la ville. Un peu trop pour nous. Et on avait décidé de louer une maison à la campagne. Mais à cette époque, la maison était à vendre. On ne pouvait pas faire mieux que l'acheter parce que c'était le même prix que le louer. On est venu à Elk, où je suis ici pour 30 ans. Quand je suis venu à Elk, on avait commencé à faire un feu four et construire un four. Mais j'ai fait du poterie jusqu'à que j'ai tombé. J'ai eu un accident de dos, pas un accident tout à coup, mais un accident qui commençait peu à peu. Et ça arrivait que je pouvais pas marcher. Alors j'ai changé de métier. J'ai fait plus de poterie. J'aime bien faire la sculpture et j'ai revenu. J'ai retourné à mes études de sculpture et de faire la sculpture. Le premier moment que j'ai fait une expo, c'était 1977. J'ai eu mon premier expo. Et depuis, j'ai fait pour 10 ans, j'ai fait une expo tous les ans en décembre. Et voilà. Maintenant, je suis un membre d'une galerie à Fort Bragg. Je fais des expos tout. J'ai un coin là, où je monte mes sculptures tout l'année. C'est la galerie. On est comme 21 membres. C'est coopératif. Ici derrière, chaque mois, on fait une expo pour quelqu'un ou deux personnes, deux artistes. Si on a le choix de faire tout seul ou on a à faire avec des autres gens, des autres artistes, des autres membres. Donc, il y a 21 artistes. On a l'argile, sculpture, poterie, les photos, photographie, bijoux, tissage. This explains. Ah, en français. Ça s'explique tout seul. J'ai pas beaucoup de mots pour ça. Mais voilà. Thank you.
quelqu'un, quelque chose, chanteur. Mais c'est pas en français comment ça s'appelle. Les gens qui travaillent, qui voyagent en chantant. Les Moyen-Âge sur Saint-Pierre que j'ai trouvé. Voilà, ça c'est pas exactement. C'est une argile cuite avec l'oxyde. L'oxyde de comment ça s'appelle l'oxyde? Iron oxide. Ça c'est une patine acrylique iridescent qui fait briller avec les couleurs. Et voilà, celle-là, c'est un peu un blague des visages, tu vois les formes. C'est un porcelaine avec émail, émaillé, porcelaine émaillée. Ça, c'est des penseurs de toits d'étage, un penseur de toits d'étage. C'est là. Il n'y a pas de titre, mais c'est la même chose, la céramique. L'argile fait avec un outil pour faire les vagues. Il y a un peu comme un vent qui souffle. Souffle. Sur la forme humaine. Ça, c'est une image que j'ai trouvée par accident, qui les formes, ça c'est sur la mer, et la mer c'est très grand, c'est un mer grand, et les petites formes un peu perdues. Je voyage en Mexique. Et à un moment, quand je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire des formes, des bateaux. Parce que je voyage dans des bateaux au Mexique. On vit dans un village où il faut aller en bateau seulement. Et voilà, j'ai fait plusieurs bateaux. Mon mari m'avait amené de l'argile quand j'étais là-bas. Et j'ai commencé à faire des bateaux. C'est dommage, j'ai pas... Le bateau que j'avais fait là-bas. Ça, c'est une bronze. Cette forme qui se répétait, la même forme qu'on avait vu dans la première sculpture. C'est un sort d'une... Ça s'appelle stupa. Stupa qui en fait à Tibet. J'ai pas été, mais... J'aime bien l'idée d'une architecture mélange grec et tibétien. Et ça, c'est, il y avait un toit, mais j'ai pas gardé le toit dessous parce que ça marche mieux sans toit. Thank you.
plusieurs choses, beaucoup de choses qui peuvent compliquer, mais pas ça, ça tous arrivé d'être plus philosophique et plus gay et plus à l'aise dans mon corps, dans mon esprit, plus content avec la vie, même avec les événements difficiles. J'ai beaucoup de je trouve que je suis soutenue par la famille, le terrain où je suis, la nature. Et voilà, et je trouve que je vis une vie plus ouverte. Ma vie continue à être plus ouverte dans un sens d'être le cœur, plus ouvert. Ma vie, j'ai un cœur plus ouvert qu'avant. Alors, ça me plaît beaucoup et ça aide en tous les sens. Cela, je suis très content avec, parce que ça me revient les sentiments d'être mère. Ça s'appelle la mère des milliers. Oh my. Go out. Non, maintenant je suis mère d'une chat qui crie, qui. Maintenant je le laisse sécher et quand c'est presque sec, je fais un trou dedans. Autrement, si je fais pas de trou dedans, ça peut exploser dans le four. Parce que, comme on sait tous, que quand l'air chauffe, ça devient plus, ça prend plus de volume et ça peut casser l'argile. Alors maintenant, c'est l'air tout fermé dedans, tout enfermé. Et des boules d'argile. Non, plus tard, quand c'est cuit, les boules d'argile font un bruit. Comme ça. Parce qu'il faut. Pour être de bonne humeur, il faut avoir le corps qui s'use pas trop. Je fais du yoga parfois, toujours. Ah! Tu craques les os. Ça, tu vois? Clac, clac. Quand je pense de la bonne chance que j'ai eue, je pense de mon mari, Piero, qui m'a soutenue et continue à me soutenir dans tous les sens, dans tous les niveaux. Il a construit mon atelier. Fait 3 ans, je crois, oui. Et c'est quelque chose comme un paradis ou un ciel sur terre. Je trouve c'est un endroit comme une sculpture où je peux faire des sculptures dedans. C'est un peu, c'est très beau. Peut-être on va prendre une photo dedans pour montrer quelle gentillesse
Et voilà, il est très créatif lui-même. Ma mère et Pierrot et ma fille a toujours fait le plus qu'ils peuvent pour m'aider. Et à chaque fois que je suis désolée ou désespérée, il me soutient plus et plus. Léger, très léger, d'être léger et rire. Et de... Le plus qu'on rit, le plus qu'on est sain. Pas contre les gens qui en rient. On rit juste pour le plaisir de rire. Comme les enfants. 400 fois par jour, les enfants rient. Et les adultes, 8 fois par jour. Alors, c'est pour moi de faire ces rires cette année. Alors, je ris le plus possible. Thank you.